What's up, gens de l'internet? Je suis vraiment content de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Skill PvP. Comme d'habitude, je n'ai pas l'ami aujourd'hui, les amis. Je viens tout juste de me connecter parce qu'en fait, j'ai voté sur le site. J'étais dans mon lit, j'ai voté sur mon téléphone et tout. Et regardez ce que j'ai gagné, les amis. Faut que je vous montre ça. Boom! Une Skill Pickaxe. Donc, je voulais vraiment vous montrer que j'ai gagné une Skill Pickaxe. Je suis trop chanceux. Donc, voilà, je voulais juste vous la montrer. Puis, c'est tout, en fait. Allez, salut. Non, je rigole. Je vais juste aussi remercier toutes les gens qui ont voté pour moi. Ça, c'est toutes des gens qui ont voté pour moi. Moi, j'ai pas voté à part la skill pickaxe. Donc, gros merci si vous votez pour moi, les amis. Dites-le dans les commentaires. Ça ferait vraiment super plaisir de savoir qui vote pour moi. Et puis, je vous dis à tout de suite, les amis. Pendant qu'il va se vider, les amis, je vais prendre les dons. Donc, Prit, merci pour la Pharmax. Zax, merci pour les briquets. Ça fait super plaisir. Je vais les garder là. Coca Game, merci pour la T5. Zoom, merci pour l'œuf des Creepers. Les blocs de Selanium. Les blocs du Rite, ça fait super plaisir. Les blocs d'XP, j'en ai pas besoin. Merci beaucoup. Prison Break, merci pour l'Obsidion. Jidia, merci pour l'Urite. Et les bananes, ça fait super plaisir. Oh, il m'envoie de l'argent. Jamie, merci pour les 12 reines de mort. Et le Titan. Best, merci. Oh, une mété, deux pièces à spawner, 8 tita, 4 joints, 6 pompiers, des perles et du sénat. Merci à toi, Best, ça fait super plaisir. Et ensuite, on a Scammer Lapreur qui nous a donné un P4 U3 casque et des items P4. Là, j'ai pas beaucoup de place, j'aurais juste regardé vite fait. Je vais prendre ta. Merci de Killer24 pour ta Pharmax et Zax qui nous a donné des briquets. Donc, je vais garder les briquets là comme ça quand on fait un pillage ou quoi. What the fuck, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, wesh? What the fuck? Message proto. Proto. What? Il était déco pour spam, je crois. Merci. What the fuck? Il s'est fait déco pour spam. Oh les gars, j'ai aussi 2 PB. Donc, si ça vous intéresse, j'aimerais les vendre en fait. Quand est-ce que vous avez peut-être quelque chose que vous voulez me proposer ou quoi, ben dites-le moi. Ça me ferait super plaisir d'échanger 2 PB à un abonné contre des items. Ce serait vraiment cool. Donc, à tout de suite. Oh, il est revenu en fait. Donc, on va lui faire un échange. Trade Nathan 10. Ensuite, je vais faire mes kits et tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui donner? On va lui donner l'obsidienne parce qu'on en a vraiment genre 3 DC. Donc, je pense pas que ça va nous être utile. On va lui donner seulement une pomme cheat, vu qu'on est une personne de type très aimable. On va lui donner le casque P4U3. On va donner les bananes. On va lui donner les 2 pharmax, il pourra les fusionner. Une épée T5. On est vraiment gentil avec les abonnés aujourd'hui. Hein. Je sais pas pourquoi, mais je me sentais gentil. Donc, voilà, tiens. Comme ça, on aide un pauvre. C'est comme si on donnait aux gens qui sont sans-abri. Donc, accepte. Accepte. Je veux pas de ta redstone, gros. Puis, je veux pas de tes glowstone melon non plus. Ok, peut-être qu'il comptait. Thanks bro, thanks. Et puis je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre pour donner mon kit empereur et mon kit partenaire. À tout de suite. Merci beaucoup Proto pour la thune. Bon, espérons qu'on peut être chanceux aujourd'hui les amis. Let's go. Non, air. Let's go, please. Come on, on en a 24. Faudrait au moins avoir une mété, ce serait vraiment super. On a un tita, j'ai vu. Je pense pas qu'on va avoir quelque chose de bon en fait. Oh, un autre tita je crois, ouais. Nice. Ok, non. Et puis... Oh my god. On a eu 3 titans. C'est quand même mieux que rien, mais c'est pas super. Ouh! Profiteur avait d'autres trucs pour nous. 6 creepers, des pommes, des blocs d'or, ainsi que de l'obsidienne. Un gros merci à toi, Proto. Ça fait plaisir. Je vais prendre des briquets. Je suis rendu à ma base, donc je vais prendre des briquets. Un gros merci à vous, les gars. Ça fait super plaisir. What's up? Jean de l'Internet. Je m'appelle Iconds. On me surnomme le sans-ami. Aujourd'hui, on est sur Skill PvP avec des amis. Pour une fois, les amis. Aujourd'hui, on est avec Zroom ainsi que Oxatec. Comment allez-vous, mes très chers amis? Bah, ça va. Aujourd'hui, les amis, on s'occupe pour piller une base, en fait. On est en train de faire un canon à sable, ainsi que pour faire descendre le sable. Ensuite, nous allons percer l'obsidien et nous allons possiblement piller la base. Ça risque de prendre pas mal de temps, en espérant que vous soyez là durant toute la vidéo. Et puis voilà, si vous écoutez ce moment de vidéo, les amis, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Comme ça, ça me fait plus de YouTube money. Non, je rigole, en fait, c'est une blague. Ok, let's go les gars, on est capable. Je vais reprendre dès qu'on a terminé ce petite aventure. A tout de suite. Ok, mesdames et messieurs, on est dedans. J'ai détecté et toi, super. Et ouais, c'est déjà pillé, mesdames et messieurs.
On est arrivé trop peu trop tard. Malheureusement. Donc on a beau, il en avait un autre pillage. Ça perd les popettes, les amis. Ah, il reste des coffres, mais je crois que c'est déjà pillé. Ça vaut pas la peine de péter ces coffres-là. Ça fait chier. On a dépensé masse de trucs pour ça. Et en plus, il y avait même des spawners en haut. Bref, ça part les popettes violettes. What's up, Jean Internet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc en fait, on a eu un pillage juste avant, mais... non, on a eu un petit souci en fait. Ben en fait, c'était des joueurs, ils avaient commencé le serveur vraiment il y a pas longtemps. Donc on s'est dit que ça servait à rien de les piller. Donc on les a laissés en vie, on a des nos hommes et tout. Donc là, on a dans la base de la laisse, F-show laisse. Ils sont 3 déconnectés. Et nous, on va tout éclater. Oh là, 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 là. What the fuck? J'ai l'impression qu'ils sont P4 tous les petits diams comme ça. Parce que bah, c'est souvent P4. Allez, lui il est mort. Il y avait quoi d'intéressant sur lui? Rien. Il y a un autre gars. Un autre gars. Mec, ils sont sous power. Sérieux? Ouais. F claim. Non. J'ai pas la perte, je suis en mode. Ah oui, c'est vrai, attends. Ah non, faut les tuer encore une fois. Tu crois qu'ils vont venir une fois? Aucune idée, bon, s'ils savent. Et c'est quoi leur faction? Ah, juste là. Et c'est bon, tu peux claim. F claim. C'est bon. Il y en a un à 40 mètres. Genre, on a surclaim une fac sur skill PVP, gros. Je pensais vraiment jamais que ça allait arriver. J'ai fait aussi l'autre jour. Attends, il y a un mec à 40 mètres, gros. Sangoku. C'est la chenille. Attends. Ah ouais. T'inquiète, mais là, gros, je regarde dans les chiffres, coffres et tout. Là. Il est là. J'en ai un. Oh là. Ok, bah là, on te veut tout claim en fait. T'inquiète, t'inquiète. Ça, c'est des coffres sécu en haut. Il y a R. Mec, on a surclaim leurs 4 claims. Il y a R. Ils ont R, gros. Ils ont vraiment R. Ils ont même pas de coffre, gros. What the fuck? Qu'est-ce que t'as? T'attaques toujours des factions de PD en fait. Mais mec, on a quand même surclaim quelque chose. Hein. Ouais, j'avoue que ça c'est quand même cool. En même temps, à la base, elle était en train de se faire bulle, c'est un peu normal. On aurait peut-être dû attendre en fait. Il est en haut ton pote Sangoku là. Mec, c'est con. Ah, j'ai peur direct dessus, MDR! Ok, bon, on s'est fait une base claim, les gars. Allez, salut! Oh, what the fuck, gros. T'es encore en bas? Mmh. Bah, je pense qu'on aurait dû attendre, c'est dommage. Ouais, y'a un mec à côté de toi. Y'en a deux. Mec, ils sont tous en sous-power, genre puissance 1000. Mec, j'ai des haches en bois. Moi, je vais tuer les no-stuff, mec, je suis un putain de drague. J'ai des outils en bois, gros. Boum. Je te vois poursuivre. Je te vois le poursuivre. TP moi. Ils vont que revenir. TPA, Oxatech. Ah, je peux pas me TP en combat, wesh. Ah, sans déconner, ils font vraiment que revenir. Bah, tu ferais quoi, toi, si ta base se ferait péter? Bah, je reviens pas si je suis en sous-power. Non mais eux ils ont peut-être pas réalisé qu'on avait claim leur base aussi. Hein. Putain, non non, no fake, c'est la première fois de ma vie sur Skill PvP qu'on surclaim une fac, no fake genre. Même ok, c'est pas la faction la plus riche, on va leur unclaim hein, les gars, on va les unclaim, on va unclaim quand même, on est pas des bâtards, mais genre, c'est quand même la première fois qu'on arrive à surclaim une fac. On n'a pas eu super de bon stuff, mais hey, gros, c'était quand même amusant quoi. Bon allez, on les unclaim. Ouais, vas-y. Vas-y. Je vais les MP, c'est quoi leur pseudo? Tu regardes la faction Less. Et Zaro PVP, Sangoku et Lost Eye. Sangoku. Yo, on t'a surclaim. Fais attention à votre power. On vous laisse votre BP.
vous pourrez la reclaim. Message Sandoku. Bon jeu à vous, les gars. Voilà. On va leur laisser comme ça, au moins, si on n'est pas des gros fils de pute. On a pris qu'est-ce qu'on avait besoin, et puis voilà, quoi. Il m'a dit merci. Non, fais pas ça, Oxa, s'il te plaît. Oxa, fais pas ça. Regarde, je suis. Oxa, sois sympa, fais pas ça, non plus. C'est des pauvres gars, ils viennent de commencer le serveur encore. Bon bah écoute, ils ont eu la TNT. Putain, j'avais les kills juste pour mon KS. Oh le bâtard. Il est sur du vert, sûrement pas qu'on voit pas le vert. Au début. Bon, let's go, on se casse. Allez, salut! Bon, pour une deuxième partie de cette vidéo là, on a trouvé un autre pillage, donc c'est la zbub zbub. Zbub zbub. Zbub zbub. Et puis il y a Hugo, Syrah et Vakos. Et c'est des coffres un peu de ce style, donc ça va être des coffres un peu plus compliqués. Il y a un étage que, en bas. On le croyait. Et il y a aussi un étage en bas, tu dis? Ouais, il y a quasiment rien. Ok, bon ben, commençons par ici, mon pote. Let's go, quand t'es prêt, je te regarde. Honnêtement, si tu veux que je sois honnête avec toi, Xa, d'après moi, les coffres les plus riches, c'est ceux sur le bord, pas ceux de loin. Ouais, mais genre, si ceux du bord, en fait, genre, ça m'aide à piller en fait ceux du haut. Ouais, t'inquiète, ça va. Fais comme tu veux, gros. Puis en fait, je pose des blocs dessus pour pouvoir poser le creeper. T'es prêt? 3, 2, 1, il est sorti. T'es vraiment nul, Xa. T'es nul. Putain, ça me saoule. Mais regarde tous les courants qu'il y a en dedans. Nyeh. En vrai, ça devrait être plus facile vu qu'il y a plein de courants, non? Ben non, parce que le creeper, du coup, il perd dans le courant. Ah ouais, je vois. What's up? Donc, on a pas réussi à piller l'autre base, en fait, les gars, parce que Oxatek est trop nul et moi, je sais pas piller. Donc, voilà. En fait, là, il y a Léo qui veut me donner son EC. Il m'a dit qu'il y avait le serveur, donc il voulait me donner son essai vu que j'étais son youtubeur favori. Donc ça fait super plaisir, merci à toi Léo. Donc il nous donne max d'obsidienne déjà en partant avec 21 stacés. Ouais, c'est ça, 2 random ore. En fait, j'ai rien dit, 64 random ore. Un P4 U3 et des pièces anti-top, Une épée en métier, ouh. Une épée anti-tacite et un arc punch 2 avec des bottes anti-tacite. Gros merci à toi, beau gosse. Je vais ouvrir les random ore dans le truc qui arrive. Gros merci pour ton épermité. Tu veux prendre un screen? Let's go. Stats Leo Wiz. Il a aucune faction, j'allais dire. Il aurait pu donner à les membres de sa faction, mais il a préféré me donner à moi. Un gros merci à toi, frérot. Tu as rec, bien sûr, oui. Bien sûr que j'ai rec, jeune homme. Merci beaucoup, beau gosse. Et puis, je te dis à bientôt. Yup, donc on va placer les 66 random ore. Combien de métiers tu penses exactement qu'on va avoir sur 66? 3. 3, ok. Moi je vais y aller avec 5. Je sais pas pourquoi aujourd'hui. Je me sens chanceux. Alors, ça se trouve on en avoir une, mais je sais pas. 5 oui, ce serait vraiment cool. Quand même 5 métiers sur 300 random ore. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça, je sais pas. Mais bon, regarde. Moi je pense que franchement, c'est peut-être mon jour de chance, ok? On sait pas. On verra bien qu'est-ce qui arrivera, les amis. C'est parti. Please. 66, combien qu'on va en avoir? Oh, on a eu déjà un tita, deux tita, ça c'est bon. Le tita, c'est quand même vachement bien à avoir là-dedans. Ça vaut quand même le random ore. Donc, si vous l'achetez à l'HDV, c'est 400, je pense, le random ore. Donc, ça vaut quand même 700, vous faites 300 de profit. Mais bon, tomber sur un random ore, c'est quand même assez difficile. On a pas mal du rite, ça c'est cool, puisqu'on en a toujours besoin de le rite. Par exemple, on n'a pas encore de mété, puis on est déjà rendu à plus qu'à la moitié. Et ouais, on en aura 0 en fait, les amis. 0 mété. Fuck, mate. Ça fait mal au cul, mais c'est pas grave, les amis. Oh mec, il a TP Sangoku, il est full Tita. Ben, il a mon stuff. MDR. Bon, ben, super, les gars. À tout de suite. Oula, on a plein de petits dons, les amis. Donc, Léo qui nous a donné une Pharmax. Thanks, Léo. Oh, il vient juste de nous donner son ST qui nous a donné une épée en diamant. Un épée en diamant de richesse. Waouh, on peut voir ta richesse, jeune homme. Pauvre qui nous a donné 2 potions de heal. Je prends. Merci beaucoup, jeune homme. Wartag qui nous a donné des bouteilles d'XP. Ainsi qu'un arc antitacite. Merci beaucoup, jeune homme. Friendly player, tes dons sont plates. Ok, merci. C'est gentil. Une Pharmax, thanks. Et Edgar et FireMC, vos dons sont buggés. Merci à tous.